Madame, Monsieur, vous faites bien de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Ouvrons ce journal avec une très bonne nouvelle pour les acteurs du secteur agricole. Le gouvernement ivoirien a adopté ce mercredi en Conseil des ministres la Bourse des matières premières agricoles, en abrégé BMPA. La première phase de cette bourse concernera trois spéculations, le cajou, le maïs et la colza. Cette phase pilote sera exécutée par la BRVM. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en route de la phase pilote pour l'opérationnalisation des activités de la Bourse des matières premières agricoles, la BMPA. La BMPA intègre aussi bien les cultures de rente que les cultures vivrières et vise à corriger les distorsions observées sur les marchés, à fluidifier la circulation des produits agricoles et à améliorer les revenus des producteurs. Une phase pilote des opérations de la BMPA est prévue pour démarrer au second trimestre de l'année 2023 pour une période de 24 mois. Les matières premières choisies pour le démarrage sont la noix brute de cajou, le maïs et la noix de colza fraîche. Cette phase pilote sera exécutée par la BRVM